opération commerciale. C'est un peu cliché, mais commercial. Ouais, commercial, mais cool quand même, genre. Saint-Valentin, non, je sais pas. Pour moi, c'est à peu près une fête commerciale. En même temps, je l'ai jamais fêtée de ma vie. Moi, je pense que c'est un peu du bullshit et que c'est une fête commerciale. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est une fête inutile qui n'a pas grand intérêt. Bah du coup, moi, je m'en fous de la Saint-Valentin et ce que j'espère, c'est que ma copine aussi. C'est pas forcément... Des ouais, voilà. On n'est pas des grandes romantiques à ce niveau-là. C'est qu'on n'a pas besoin d'une fête pour fêter le fait d'être amoureux, en fait. Je pense que c'est quand même un jour comme les autres, mais une occasion de, voilà, de célébrer l'amour. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Oui, c'était pas non plus aussi important, je dirais, qu'une date de rencontre. Mais voilà. Alors, la Saint-Valentin, pour moi, c'est l'occasion de me retrouver avec ma femme et d'avoir une soirée où on n'est pas sur notre téléphone, mais où on prend du temps pour être ensemble. Alors, clairement, la Saint-Valentin, elle va se passer tout seul devant le match de PSG contre le Real. Peut-être ça rend les gens qui ont pas de meuf ou pas de mec dépressifs, genre c'est dommage. Ah, c'est très triste parce que je suis tout seul. Je pense que la Saint-Valentin c'est bien quand on a quelqu'un et puis quand on n'en a pas, bah c'est pas grave, on fait autre chose quoi. Non. Non, je suis célibataire. Tu veux faire une annonce? Non, non plus. Non, je l'ai fait déjà la veille. Ah non, il y a déjà anniversaire et Noël, le porte-monnaie, ça va. Non, j'espère juste une petite victoire de Paris, moi c'est tout ce qui me ferait plaisir. Non, je pense que c'est pas suffisamment important pour préparer un cadeau, mais qu'à la limite lui faire à manger pour qu'il soit heureux et c'est tout. J'ai prévu un petit cadeau et j'ai prévu surtout de lui faire à manger, ce qui, venant de moi, est un truc exceptionnel. Après la Saint-Valentin, le jour le plus important pour nous, c'est le Nouvel An chinois.